sommes ici au centre du Ranzé que nous avons réouvert pour pouvoir accueillir environ 700 personnes par jour qui puissent recevoir leur troisième dose de vaccin. Nous accueillons en supplément de ces 700 personnes les personnes de plus de 65 ans dont nous avons appris en même temps que vous, en regardant la télé ou en écoutant à la radio, que le Premier ministre souhaitait qu'elles puissent aussi être accueillies en urgence sans rendez-vous. Ce sont là 200 personnes qui se présentent donc depuis avant-hier sur le centre, faisant monter ce centre de vaccination à 900 vaccins par jour, 900 personnes accueillies. Nous savons qu'il est difficile de trouver un rendez-vous puisque vous êtes nombreux et c'est tant mieux à vouloir recevoir votre troisième dose. Nous réouvrons le 17 décembre le parc des expos de la Beaujoire, ce grand vaccinodrome que vous avez connu dans une configuration qui permettra d'accueillir 2500 personnes par jour pour se faire vacciner. Vous pouvez prendre rendez-vous sur Doctolib, la plateforme que vous connaissez bien maintenant, et qui va permettre d'accélérer le mouvement, on l'espère, pour que chacun puisse recevoir en temps et en heure son créneau de vaccin et son vaccin, sa troisième dose de vaccin.